Saint Pil, Paulson, Henri n'a quitté cité indépendance là pour nous faire coup de pied dans deuxième ville pays à syndicat employé province compagnie dignité de transport scolaire yo yo dénoncé ça yo les discriminations bureau central a fait dans façon li payer employé dans 10 départements géographiques pays à syndicalisio en dans compagnie ça accusé à direction générale comme quoi li bay plus importance à travailler qui dans capitale haïtienne au détriment si la yo qui dans province en suit yon reportage avec correspondant nous Donald Jemeis. Employé compagnie bus dignité dans province yo mauvais Kongkong. Yo pas mettre langue dans poche pour dire responsable service public ça qui dans Port-au-Prince tout ça qui sous kay yo qui pas faire bien. Surtout façon yo fait payroll yo. Précision, yon nan porte-parole syndicat employé province compagnie dignité transport scolaire yo ki pa te vle non licité. N'a prele an mwe et puis profiter dénoncer directoire dignité a ki gen nan tête li directeur général monsieur Pierre Richard avec Fritz Dextra comme coordonnateur. Monsieur Sao qui prend plaisir fait discrimination prend cob employé provinciaux. Chaque cob gouvernement décaissé pour capable faire payroll pour dignité transport scolaire, monsieur payé employé qui dans direction générale dans Port-au-Prince, yo pas payé employé province. Nous dénoncer à toute force nous mauvaise pratique ça que Fritz Dextra qui sorti go naïve qui rivé coordonnateur boîte ça a fait dans dignité. Jodi a là monsieur fait un payroll 4 mois pour employé Port-au-Prince et un payroll 3 mois pour quelques green employé province. Dans département Nord a gain 19 communes, gain seulement 4 communes seulement qui touché, gain 15 communes qui pas touché. Département Centre gain 13 communes, gain 2 green communes qui touché, gain 11 communes qui pas touché. L'Artibonite qui gagne 15 communes, gain 2 communes qui touché, gain 13 communes qui pas touché. Dans Nord-Est c'est 2 green communes seulement qui touché, c'est Wanamet avec Fort Liberté. Dans Nord-Ouest c'est Port-de-Paix seulement qui touché. Comme d'habitude, à chaque sortie dans la presse, syndicat employé province compagnie bus dignité transport scolaire yo annoncé yon vitesse supérieure dans mouvement yo. Face à toute dérive avec habit que Fritz Dextra a fait moun province employé province dans dignité sibi, n'a demandé PM Ariel Henry, ministre finance lan, Michel Patrick Boisvert pour voyager garder dignité, voyager garder employé province yo cap passer misère en bas mais Fritz Dextra qui pa vle payer comme nous décaisser pour faire payroll pendant mois mai là. Monsieur pas payé employé province. Yo pas payé nous en décembre, yo pas payé nous dans mois mai ça. Si pas gain disposition qui prend pour que nous toucher l'argent nous, Dextra qui prend dignité tant que c'est dignité papal, c'est bien papal avec maman ou bien c'est bien privé. Nous même bouche nous fan pour nous manger. Et si nous même en province, nous pas joindre satisfaction avec demande nous, bataille a changé phase. Ça fait plusieurs fois, employés provinciaux dans compagnie bus dignité prend chemin la presse pour exiger autorité centrale yo payer yo l'argent plusieurs mois travail yo dit l'état doué yo. Chaque fois ça yo, protestataire yo dit autorité yo pas garder qui toque qui sous do yo. Donald Jermeus, Cap Haïtien, Radio Max FM. Merci en pile Donald Jemeis, notre correspondant dans deuxième ville à PIA. Élection, sécurité, reconstruction, Ariel Henry renouvelle ses priorités. Le Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, a pris part à l'hôtel Montana ce jeudi à la réunion du premier comité d'efficacité de l'aide à du cadre de coordination de l'aide externe au développement d'Haïti pour l'année 2022. La réunion a été réalisée par le ministère de la Planification et de la Coopération externe et implique notamment des membres du gouvernement et des représentants des parlementaires techniques et financiers. Dans son propos de circonstances, le chef du gouvernement, faisant également office de président du comité d'efficacité de l'aide, a souligné que les travaux préparatoires de ce comité ont démarré à la suite du séisme du 14 août 2021 qui a fortement frappé la péninsule du sud du pays. Il a été question d'activer le mécanisme conjoint de coordination de l'aide pour apporter une réponse convenable à cette catastrophe. C'est en ce sens que le gouvernement, soutenu par les parlementaires, par le partenaire de préférence internationaux, notamment l'Organisation des Nations Unies, a organisé le 16 février 2022 un événement international sur le financement de la reconstruction de la péninsule du sud d'Haïti. J'en profite pour rappeler que la somme de 600 millions de dollars a été collectée sous forme de promesses de dons faites par
par des partenaires internationaux, a fait savoir Dr. Ariel Henry. Plus loin, le locataire de la primature a indiqué que l'objectif en général de ce CEA est de relancer un dialogue constructif autour des thématiques des coopérations prioritaires pour le gouvernement. Ariel Henry a entre autres évoqué la réalisation des élections, l'amélioration de la situation sécuritaire, la réponse urgente à la crise économique et le renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes naturelles. Selon lui, ces priorités nationales sont bien consignées dans l'accord du 11 septembre 2021 et constituent la base de l'action gouvernementale. Selon le PM Henry, l'organisation des élections générales demeure sa priorité centrale. Le dysfonctionnement des institutions telles le Parlement, la Cour de cassation, le CSPJ, les collectivités territoriales a de graves incidences sur la gouvernance démocratique. Les élections devront être organisées dans les meilleurs délais afin de remettre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien, a indiqué le docteur Ariel Henry. En tout cas, docteur Ariel Henry qui baille tête li comme priorité question élection, résoudre problème insécurité qui gagne dans pays. A pas oublier que 1er juin qui saute passé là fait exactement yon l'année depuis monsieur yo occupé rentré sud dans capitale haïtienne. Côté population yo même yo gagne difficulté pour capable passer dans zone ça. Nous praler avec différents collaborateurs à correspondants yo. Nous pral faire la ronde des correspondants matin. Nous praler d'abord dans cité Indépendance là avec Jean-Aubert Valière. Bonjour Valière, comment Gonaïve levé matin? Bonjour Nixon, bonjour docteur Nixon sur Radio Matrepenio. Nous avons dit pour matin vendredi 3 juin 2022, c'est Indépendance là, lui-même l'est sorti du décal. Je me rappelle, jeudi vendredi, c'est marché 4e section photo côté marchand. Lui-même sorti prend route pour 4e section pour approvisionner. On est capable de dire que le transport en commun a répondu au rendez-vous, l'école là censée répondre au rendez-vous, machin. Yo, censé répondre présent pour capable de commencer à étaler machin. Yo, pour chercher côté la différents points. On est capable de dire tout, et après vos décisions, on connaît la mairie prend pour payer environ 8 mounes parmi 36. Employé qui était toujours dans le travail, mais reste employé qui s'est passé dans le bois, je gagne en affaires et 8 mois, je connais les bâtiments de mes pieds, et c'est raison ça, qui est le président de ce pays-là, c'est dans le jeune, je donne et on prend là, c'est ça, pour la base, l'internet, je paye 8 mois qui était toujours dans le travail et reste il y a payé, mais il y a possibilité de ne pas jouer une grosse pensée pendant 8 mois de ne pas payer de papier. Dans le niveau mairie, vous n'avez pas connaissé les questions. Donc, il a commencé à payer employé. Oui, il a commencé à payer employé, mais il y a une autre employé qui fait partie de brigade, qui fait partie de question fiscalité. Je dois environ 29 mois, simplement, nous capables, pendant que nous avons payé hier, nous avons fait pour regarder, simplement, c'est avril 2020, nous avons payé jusqu'à présent, notre employé, ça a fait qu'on était un mois ou juin, mais toujours une difficulté pour nous capables de payer le reste de l'argent travail. Merci un peu, Jean-Aubert Valière. Bon la journée, bon week-end. Nous espérons croiser un peu plus tard, 5 heures pour deuxième sortie journal, sans force côté. Kembila. Merci, Nixon. Merci. Oui, juste avant que nous et Nixon, nous avons dit qu'un sénateur, il est là-dessus. Il est même dit, et sans qu'il rencontre à la presse après-midi, hier après-midi, bien tard, pour qu'il annonce, mardi, que venir à la mobilisation par le Rélimé. Pour moi, de payer Marielle, résoudre le problème d'insécurité. Et puis, s'il pas résout, il y a possibilité pour payer Marielle Henry, capable d'échapper pour tout ça qui est venu à annoncer pour ma décapité. Donc, ça veut dire que flambeau mobilisation dans la Tibonite, ancien sénateur Yuri Latortu annoncé qu'il pral chauffer béton. Il pral chauffer béton et à partir de ma décapité, c'est-à-dire pour moi, de payer Marielle Henry, résoudre le problème d'insécurité. Sinon, il doit
lagé pile la tête climatique. Merci un peu, bonne journée. Merci un peu. Voilà, donc c'était notre correspondant dans la cité indépendance qui c'est Jean-Robert Vallière. Information qui tombait dans la salle Nouvelle Nou, journaliste Luni Joseph, qui fait connaître que jeune Tifiette ça qui c'est Laura Erika Flores, bandit Axam, te kidnappé depuis la date 21 mai qui s'est passé là, après yon fin versé rançon. Donc bandit est pratiquement libéré. Bon, en tout cas, une bonne nouvelle. Et dans la Tibonito, nous apprenons qu'il y a plusieurs monde et monsieur Baz Gangrifio te kidnappé. Et selon information yo, yo ta libéré moun sa yo et après versement rançon. Donc yo bay l'argent pour yo ta arrivé libéré. Nous praler avec correspondant yo cette fois-ci n'a pas été capable rentrer dans la deuxième ville pays avec Donald Jemeis qui pral di nou comment ville Cap Haïtien ak zone avoisinante yo levé pour vendredi 3 juin 2021 jodi a qui se joue marché Lester. Bonjour Donald, comment Cap Haïtien ak ville ak zone avoisinante yo levé matin? Radio Max FM, nous, Cap Haïtien, nous, en forme, nous vivons avec tranquillité, que nous avec le commencement chemin là. Donc, activité, nous, 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 sans problème, nous, avec la présence de la police, qui est bonheur, qui toujours prend la rue, surtout avec le côté, toujours, dans le South, c'est l'heure de faire, côté élève, et à bas l'école, et puis, professionnellement, nous, voilà, toujours. Information qui vient dans le cadre du programme de vaccination élargie et le ministère de la Santé publique même, avec quelques partenaires, avec le chef et puis au PSOMS, lancé une campagne qui est largement large, on est contre maladie, coronavirus, campagne de financement faite hier, jeudi, juin, mais la boucle du 14 juin. L'objectif, c'est de vacciner plus de monde pour capable de protéger la population en plus contre maladie, coronavirus. Là. C'est sous terme moins vacciné pour vacciner, pour tout protéger. Mais c'est terme ça, campagne a déroulé et pendant 14 jours. Donc, information, il y a hier, jeudi, 2 juin, il y a une femme avec l'Organisation internationale francophonie, puis le gouvernement Canada, qui était dans une formation 3 jours, tout à fait, pour plusieurs femmes dans le domaine politique, pour former des leaders en politique, des femmes leaders, qui ont des projets à participer dans une prochaine élection qui a été faite dans le pays d'Haïti. Plusieurs thématiques ont été abordées, dans le projet de mobiliser l'argent pour faire campagne, j'ai pu monter une équipe de campagne, j'ai pu être capable d'essayer de remporter une élection. Merci un peu, Donald Jemeis. Bonne la journée, bon travail. Voilà, donc c'était notre correspondant dans ville Cap Haïtien qui c'est Donald Jemeis Paulson. N'a continué nous allons être capable rentrer du côté de la Chapelle avec Nazaire Dupiton. En attendant pour nous faire coup de pied dans la capitale haïtienne pour nous garder comment Port-au-Prince levé puisque bandio yo pas chômé malgré en pile intervention agent PNH yo yo effectué en pile bandit tout faut qu'on dise ça qui valait acte de naissance donc qui boit le bouchon mais ça pas empêché que yo continue et bien y a résisté avec autorité policière yo. Donc soulignant notre correspondant dans ville dans commune La Chapelle, Nazaire Dupiton. Nazaire, bonjour. Comment La Chapelle ak zone avoisinante levé matin, puisque je dis, on connaît ces jours, marché Lester. Comment commune naye matin? Bonjour, Nissan Deneus. Bonjour, tous les amis auditeurs de Max FM. C'est un plaisir pour nous, ce matin, de radio. Un bel ciel, un bel soleil, sous les gens. Vous constatez l'activité a déjà démarré, tout le monde a fait l'activité, l'école là lui-même. Et ils font scamper à cause des horaires qui a baissé mon niveau pour les venir examen de contrôle sans rien pour les examens de classe. Même les enfants de question de l'école là-bas sont déjà difficiles. C'est aussi un pays d'Haïti, mais quand même, si mon niveau n'a pas ouvert pour aller dans notre classe. Donc, l'information que nous avons sur la région, c'est que nous avons une information que d'ailleurs, concernant la zone, la Hâte, le Chaud et au reste. On se retrouve en difficulté, ça veut dire situation à jeune en route, parce que monde qui a plein à cause de monde qui n'est pas capable de s'exprimer dans la zone, et grands-parents, grands-notables dans la zone, devraient déboucher dans la bagaille là, tout le bagaille, une solution, et aussi, de parler, je ne sais pas, tourner encore
et si on ne peut pas passer nos deux, on ne peut pas passer les gens qui sont au reste, sorti au jeu, pour les gens qui sont à la roche, afin que si on moto, si on ne peut pas passer nos deux, on ne peut pas passer les gens qui parlent, les gens qui sont arrivés dans un genre, même j'en ai en pile de l'autre côté, en APIA, et c'est un grand moto, deux grands motos qui vont arriver, c'est plus de monde, pas qu'à circuler, pas qu'à marcher, dans les zones qui ont besoin, comme ça doit. Ça me dit bien, si ça devient si bien pour ça dans cette situation, c'est à gâter net dans une ouest avec OG, dans une troisième, quatrième section divisée à la Tibonite. À Zère du Piton, et puis la Chapelle, pour Radio Max FM. Mais ça pile notre correspondant dans la commune La Chapelle qui c'est Nazaire Dupiton. Nous prenons fini avec la ronde des correspondants. Nous prenons le signe capable de rentrer dans Port-au-Prince pour connaître effectivement comment capital a levé avec notre correspondant permanent dans la capitale haïtienne qui c'est Patrick Souvenir qui certainement prend dit non. Comment Port-au-Prince a levé matin? Est-ce que nous parions pour nous capables de recevoir notre correspondant? Nous avons souligné Patrick Souvenir. Patrick, bonjour. Comment Port-au-Prince a levé matin? Je souhaite passer un bon week-end. Comment ça y est matin? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Non, pas M. Souvenir, Patrick. Tout le monde connaît comment la situation est dans Port-au-Prince. On parle souvent avec Port-au-Prince pour ses connaissances. C'est beau d'être chargé. Finalement, nous connaissons quoi des bouquets, c'est même bagarre la continue à répéter, ou même entre deux groupes d'agneaux. Okay? Parce que nous avons déterminé pas que les jeunes l'ont un jour. Et si nous quittons quoi des bouquets, nous avons pris dans une zone Grand Ravine, dans la bataille Grand Ravine, ensemble avec Tibois. C'est même bagarre là, je dis, il y a presque trois jours, depuis le 1er juin pour arriver jusqu'à aujourd'hui, là, c'est coup de balle qui a déclenché, selon le bilan, il y a plus de 16 monde. Il y a des blessés, des gens qui prennent une balle pendant le caillou. Et il y a un mort, c'est juste un élève de l'école qui recevait une balle dans un cafou feuille. Après ça, si vous regardez dans un peu grand capital, c'est toujours 470 à 47 capital actualité. C'est fouillé. C'est fouillé et pillé et aller avec M. Sato Kounien. C'est comme ça que ça a changé dans la capitale là, dans le moment où on a parlé là. Pendant ce temps, le président, le ministre, l'a quitté le pays pour aller participer dans le sommet là et lui promettre donc la sécurité qui est établie dans le pays. Donc ça, c'est le discours pour international là? Oui, il va le parler parce que la sécurité qui est établie dans le pays avant la participer dans le capitale des États-Unis. Alors, comment rentrer dans Port-au-Prince matin là? Rentrer dans là, c'est pas presque un grave problème comparativement avec le problème. Non? Mais pas jamais oublier de pouvoir rentrer pour arranger. Parce que une balle qui a coulé, quand tout pile d'étoile, qui a coulé le mois de décembre. Ça veut dire qu'il faut recevoir une balle à n'importe quel moment donné, l'eau après soit dans la machine, ou bien la carreau, ou bien tout. Merci un peu, Patrick Souvenir. Bon travail. Bon la journée, bon week-end. Nous espérons croiser un peu plus tard, 5h pour deuxième. Sortie journal sans force côté Radio Max FM 104.5 là. Merci un peu, bye-bye. Tout le monde, rendez-vous à vous. Pita, vous devez mettre la présence là. Merci un peu. Voilà, c'était notre correspondant permanent dans Port-au-Prince qui c'est Patrick Souvenir et Paulson. Nous pral clôturer avec Lucien Ulrich qui pral dit non dans Tirivière. La Tibonite, comment ça y est, comment commune nan levé en général, commune qui vient la Tibonite. Donc nous connaissons même gens avec en pile l'autre commune dans le pays qui ont même pas exemple de tout ça qui a passé en dans pays. Donc c'est pratiquement même problème yo, mais hier t'es souligné pour nous problème qui gagnait dans Fort Crête à Pierre côté autorité yo, yo pratiquement abandonné Fort. Donc il souhaitait que nous soulignons et Lucien Ulrich, bonjour. Comment commune a levé matin? Bonjour, auditeurs et auditrices, à côté Radio Max, partout dans la Tibonite. Eh bien, nous avons là, les commencé très bien, bien soleillé, et tout le monde s'activité reprend normalement. L'école a marché, motocyclette, monde qui va marcher, tout le monde est normal dans la ville là. Donc, là. Hier, nous avons cherché des informations concernant les problèmes qui étaient gagnés dans l'insécurité dans la rivière. Nous avons allé dans le commissariat
Quand il est venu passer, notamment des commissaires, nous avons été en place. Eh bien, ça semble les font déplacer. Mais il y a un responsable, la patte, en mesure pour demander nous information. Il est référé nous à la direction départementale de l'ISA, dans Gonaïve, pour nous être capable de donner plus d'informations. Parce que c'est là que les signes dressent les rapports, c'est là où ils mais lui-même, ils n'ont pas autorisé pour nous être capable de bailler la presse, ni point de presse, ni information qui a concerné les communes. Donc, si vous avez une information que vous avez besoin, vous êtes censé aller dans la direction départementale de police de Gonaïve. Et là, à chaque mois, chaque fin mois, que vous avez un point de presse pour la presse qu'on est qui s'est passé, ni dans la commune de Rivière, ni dans la Tibonite en général. Après ça, l'autre bagaille qui gagne encore, c'est vrai que nous avons des pigments qui entrent là. Et chaque soir, ou du moins c'est chaque matin tout, les gens capables de faire quelques checks. Et nous, par rapport à les checks, nous faisons tout le monde, surtout pour les gens qui n'ont pas de carte d'identification nationale, dans le profil, et nous checkons. Et nous, ça a tout un engouement dans le bureau pour nous, pour que tout le monde, après chercher les cartes, qui ont fait les cartes très longtemps, nous n'avons pas de rituel. Je passe à l'étirel, on s'attend bien l'autre qui n'a pas jamais fait, et puis il continue pour aller faire capture, pour avoir un problème avec la police qui a fait checkpoint de temps en temps pendant l'étirel à tourner. Merci un peu, Lucien Olrich. Bon la journée, bon travail, bon week-end. Nous espérons croiser un peu plus tard 5h pour deuxième sortie journal sans force côté Radio Max FM 104.5. Là. Merci, bonne journée. Voici. Voilà, donc c'était notre correspondant et permanent dans la Tibonite qui c'est Olrich Lucien. Nous prenons rapidement puisque Paulson et Gen Benson qui déjà a fait annoncé, nous avons demandé avec MC Coolman pour l'accorder nous quelques minutes en attendant pour nous recevoir notre collaborateur qui c'est Gérald Benson. Séjour ou manqué dormi d'ailleurs. Sabab, comment nous y est sabbatique? On allait rapidement puisqu'il a déjà fait nous la guerre. Bonjour Nixon, bonjour Paulson, bonjour tout le monde qui va se gêner à la magasin. Ça fait plaisir que dans quelques minutes, pour informer comment la réalité est utilisée. Nous avons un bon soleil matin par rapport avec les acognards, mais nous avons un bon soleil matin. Et pour question de situation, Nixon, chargé moteur avec un machine là. Vous avez vu, je le dis, c'est vendredi, c'est presque fin de semaine, surtout semaine ouvrable. Et il y a plus de monde qui parle à l'école, même si vous connaissez tout, il y a plus d'autres qui n'ont pas eu d'examen. Et bien, qui est après, oui, il y a un capitaine qui est prêt à l'examen. Et si vous connaissez tout, je dis, c'est le marché Lester, il y a plus de machines qui sont chargées dans cette ville pour aller. Lester, pour aller mettre les machines à l'eau, pour ne pas l'acheter. C'est une action. Et il y a plus de monde qui a pris à l'eau, tout est de vagabondage, à ce vagabondage, que je fais pas arriver pour faire après. Merci un peu, Gérald Benson, séjour. Bon travail, bonne journée. Bon sabbat, à l'autre journal sans force côté. Merci à Benson, merci à Bill, merci à tous, bonne journée. Et moi, je vais vous parler de M. Léa, il va arriver tout à l'heure.
Merci un peu. En tout cas, sous grand corps pour Gérald Benson, c'est jour. Gendan Balil avant 6h. Sous à peine branché ou raté 5e sortie journal sans force côté. Pour vendredi 3 juin 2022, qui te rappelons rapidement quelques informations ont été développées pour dans journal ça face à augmentation climat insécurité qui gagne dans pays à côté bandi exam. A couru par-ci par-là pour venir prendre refuge aux associations entrepreneurs Saint-Marc dans souci pour éclairer villa commencer à installer lampadaire tout pandou dans cité nissage à Sagia selon porte-parole là qui c'est Jocelyn Ulis ancien sénateur à département la Tibonite la Cal Murat Cantave invité pour le comparaître devant autorité judiciaire dans Port-au-Prince lundi qui pral venir là suite à une plainte qui déposée contre les commissions municipales Gonaïve qui gagne en tête li magistrat Donald Diogène annoncé il pral payer seulement en qui était toujours vin travail pendant moment difficile yo une décision qui levait plume sous dos reste employé qui fait connait yo pral bloquer mairie Gonaïve dans jour qui pral vin là c'est toutefois président commission municipale là lui-même li pata décidé payer l'argent travail voilà donc c'est sous dernière information ça n'a met ton bout à journal sans force côté mais